Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jour très particulier pour le CCAS du Robert et la ville, parce que un projet mûrement mûri par l'équipe en place voit le jour. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons commencé à servir toutes les personnes qui demandaient à bénéficier du portage de repas à domicile. Donc aujourd'hui, vendredi 19, nous sommes dans la semaine de la prévention de la dénutrition et nous avons choisi ce moment pour lancer le portage de repas à domicile au bénéfice des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui en font la demande. Donc, un échantillon de personnes a été retenu pour pouvoir nous permettre de tester. Et puis lundi 22, l'ensemble des personnes qui a fait la demande pourront en bénéficier. Donc, la Caisse des écoles, en partenariat avec le CCAS, offre un repas de qualité le midi et le soir, permettant à ces personnes âgées de bénéficier d'un repas équilibré en quantité et puis de très bon goût. Donc, nous allons laisser les personnes apprécier, elles nous feront un retour. Nous espérons vraiment leur donner satisfaction. Et aujourd'hui, la possibilité pour les personnes qui le souhaitent est encore ouverte. L'idée, c'est de permettre vraiment au plus grand nombre, à toutes celles qui sont dans le besoin, qui remplissent les conditions, d'en bénéficier. Alors, les conditions sont être âgé de 65 ans et plus, ou être en situation de handicap, être soit reconnue personne, je dirais plutôt dépendante, qui a vraiment le besoin d'avoir une aide à domicile. Donc, le repas est proposé quotidiennement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Une proposition pour le midi et pour le soir. Une personne âgée peut choisir d'en bénéficier deux, trois, quatre fois, cinq fois par semaine, comme elle le souhaite. Elle fera la commande et ensuite, on la livrera en tenant compte de ses pathologies. Chaque pathologie est prise en compte et le repas est constitué en fonction de la demande du bénéficiaire.